Et salut l'équipe, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, c'est carrément du jamais vu sur ma chaîne. On va tout simplement faire une vidéo relooking. Donc vous voyez, moi j'ai des styles souvent assez basiques, genre un habit simple, efficace. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, un ami à moi, Stéphane, spécialiste de la mode, qui va venir me relooker. On l'accueille tout de suite, tonnerre d'applaudissements. Salut la famille! Je m'appelle Stéphane, je suis influenceur mode, donc là je suis là pour. C'est quoi? Bah, pour me relooker Ah tout non, non, simplement. attends! Haritir! Eh hey, le Ça, nom, franchement! Haritir! Puis je suis là pour Haritir, pour yeah! voilà, le Bah, relooker tout ouais! et retoucher un peu 2-3 trucs et voilà. Bah ouais, parce que toi tu t'y connais, on va montrer ton outfit après, Bah mais. écoute, ouais, vous voyez Franchement, déjà, c'est pas mal, hein! c'est du lourd, les gars. Il est vraiment très très fort, donc j'ai hâte de voir ce que tu as prévu. Il a tout prévu à l'avance, hein. Tu m'as Ouais, prévu 3 tenues, c'est ça? ouais. Je lui ai envoyé un brief, un PDF de quoi? De 10 pages, 15 pages. Grave. Bon, il a Il a mis trouvé long. 3 pages et Voilà. avec 3 photos. Et ben là, je crois que voilà, il va falloir aller faire le Ouais, donc magasin et là, on tout. va pas refaire les magasins. Ouais. Et après, on revient vous présenter les résultats. Exactement. J'ai pas budget illimité, on va faire ça, budget. Oh, Hey, il veut me ruiner, mais vous l'avez regardé. non. Ça sent là, il est Non, habillé mais il le faut, à les amis, Gucci. il le faut, il le faut, il le faut. Voilà, pour être beau, il faut souffrir, il faut faire claquer la carte. Aïe. Ah bah moi elle est petite la carte. Bon on y va? Bah ouais, on y va. Et bah allons-y, Let's c'est go. parti. L'objectif de ce shopping, c'est de trouver un jean, un pantalon, un sweat et un blazer croisé pour réaliser 3 outfits formels, donc assez sérieux. On commence par le premier magasin, du coup Zara juste ici. Stéphane, qu'est-ce qu'on doit trouver là-bas? Bah, à Zara, on va essayer de trouver le jean, le pantalon et le blazer. Donc, Ah ouais, on fait. on croise les doigts. Allez, c'est parti. On va écouter les conseils du pro Stéphane. On a 3 outfits voilà, pour différentes occasions, comme prendre un verre, voilà, rendez-vous professionnel, dîner, date. Restez connectés. Ouh, date. Il a trouvé une meilleure veste que celle-ci. Bon, en fait, de base, on cherchait une veste croisée. Et là, on est arrivé à Zara et voilà, on est Ça, passé c'est que pas sur des croisé. vestes classiques. Ça, c'est Le classique. croisé, la différence, c'est les 2 boutons. Ah Vous ouais, voyez? Là, c'est croisé, là, c'est classique. là il n'y a qu'un bouton, là il y a 2 boutons qui se Voilà. Donc, du coup, là, on improvise. On est toujours improvisé. Jamais baisser le risque. Donc, là, on tombe sur cette veste croisée. Et bah, en fait, on se rend compte que ça irait facilement avec le berge. Changer de projet, les 2 vestes on abandonne parce que ça n'allait pas du tout, on aurait dit simplet. Et là, Stéphane propose quelque chose de nouveau. Bah, en fait, ce sont les alliés à tout côté. Donc là, on est produit. Les amis, je suis passé à la caisse. C'est bon, c'est acheté. On va faire les outfits chez moi tranquille. Là, il reste à Lyon, Stéphane Dino. Donc, du coup, on va tester Célio, Bershka et H&M. Là, on est toujours à la recherche du jean et du blazer. Ouais, le blazer, elle est pas aussi. Elle est pas aussi. Là, on a Bershka et on a la recherche du. Et on est tombé sur des jeans voilà, avec la coupe qu'on recherche. Donc, on va les essayer et on vous dira lequel on fait. 34, 36, 38, on fait toutes les tailles. Hein. Allez. Le jean est validé, il est temps de passer à la caisse. Ah, ça m'a encore piqué là. T'es content quand tu me ruines. Ben ouais. Eh ben ouais, ah, ça fait mal. S'habiller bien, c'est cher. Il faut souffrir pour être beau. Ouais, il faut souffrir. Il faut travailler. Et faites buzzer cette vidéo aussi pour rembourser. Malin. Voilà, c'est craqué. C'est bon, le jean. Bershka, Zara, c'est fait. Là-bas, devrait être. Tout dur. On n'arrive pas à trouver la veste croisée. On n'a pas la de vrai, il n'y avait rien. On va où là? Ben, là, on essaie Célio et on
croise les doigts. Quoi. Voilà, là, le blazer le plus recherché de France. Le plus recherché. Où on va le trouver? Tiens, les deux doigts de passer devant le magasin. Parce qu'on s'est dit, Zara l'a pas, H&M. On s'est dit, vas-y, on est direct, on va essayer. C'est parti, on est parti, je suis à la conduite, en train de rentrer à la maison. J'ai trop hâte de vous montrer les outfits, franchement, ils rendent vraiment bien. Ça promet. On est parti pour la session relooking. Pour chaque thématique, je vais montrer à Stéphane comment je m'habillerai, et lui va me relooker juste après. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, du coup, là, le premier thème, balade. Qu'est-ce que tu mettrais? La balade, du coup, qu'est-ce que j'ai mis, les gars? C'est super simple, j'ai mis un t-shirt, un short, genre basique, et des baskets. Genre vraiment, c'est la street, c'est la balade. C'est trop basique. On va changer ça. Aïe, aïe, là, aïe. On va changer ça. Ouais. Et ça le fait stresser, là, avant. Il est pas bien, on change. Voilà le rendu, les gars, du coup. Petit, comment ça, sweat oversize. Ouais, sweat oversize. Et t-shirt en bas, blanc. Un t-shirt juste pour créer un peu de layering. Et après, on a le pantalon et une basket assez facile et tranquille. Ouais, simple, voilà, basique, la street et tout. Voilà. Franchement, étonnamment, j'aime bien. C'est vrai que ça change du short et tout. T'as vu, on peut être formel tout en étant décontracté. Donc voilà. Maintenant, on passe à la deuxième situation. Let's go. C'est parti. Deuxième situation, du coup, j'aime bien celle-là, j'ai hâte de voir ce qu'il me prépare. Vas-y, dis-moi. Ben, t'inquiète pas. La deuxième situation, on va en date. Donc déjà, tu me montres ce que tu mettrais et après, je te dis comment changer ça. Voilà, Letty derrière la caméra, elle va être ravie. Ah ouais, c'est sûr. Donc voilà ma tenue de date. Petit polo simple, efficace, jean bleu clair, on adore, et chaussures. Voilà, moi je trouve c'est... On n'en fait pas trop, faut pas trop tout donner le premier soir, mais voilà, qu'est-ce qu'il en dit? Mais non, il faut tout donner le premier soir. Ah ouais, lui c'est un date. La tenue, c'est très important pour un date, donc là, il va falloir changer ça. Là, je vais être à mon prime, quoi. Ouais. Ah ouais, allez, on va voir ça. Voilà du coup la tenue date, les gars, je suis à mon prime. Alors très formel, mais aussi très chic, explique-nous ça, Stéphane. Exactement, du coup, pour un date, on veut pas être trop formel, voilà, et tout, on veut être... En fait, on veut juste trouver la balance entre formel et décontracté. Donc là, on commence au début, tu vois. La sortie, le blazer. Un blazer croisé. Le croisé en croisé. Non. Voilà. Et déjà, qui fait quand même assez formel. Et en bas, on le casse juste un peu avec un jean bleu et tout. Et des baskets. Petite style. Tranquille, en bas. Et comme ça, on a la balance parfaite. Ah ouais, vraiment là. Merci Stéphane. J'adore cette tenue. Le blazer double croisé, je connais... Non, juste croisé. Ouais, juste croisé. Je connaissais même pas, mais c'est le secret du chef. Ouais, en vrai, ça change tout. Hein. Et puis, laissez le classique et tout, le croisé, c'est une pépite. Stéphane, thématique dîner professionnel. Le but, c'est de choper le job de l'année. Voilà ce que j'ai sorti. Petite veste de costume, chemise saumon, jean, pantalon de costume... Et chaussures à leur prime, chaussures de big beau gosse. Qu'est-ce que t'en penses? En vrai, j'aurais été recruteur, je t'aurais pris. Ah ouais, Je valide, mais vous voyez que la tenue, elle est vraiment, veste et tout. C'est le prime de ma garde-robe. C'est bon, les autres tenues, j'étais pas trop sûr, j'avoue. Mais celle-là, parfait. Mais quand même, voilà, on peut quand même changer deux, trois trucs. Donc, je vais vous montrer et vous me direz ce que vous en pensez. Allez, hâte de voir sa tenue. On est parti pour le dernier relook. Et voilà le résultat. Franchement... Salut à toi, jeune entrepreneur. Tu veux que je t'embauche? Regardez ça, les gars. Eh, je vous ai dit qu'il était embauché. Qu'est-ce que tu m'as sorti, là? Explique-nous. Ben là, en fait, j'ai bien aimé le blazer de tout à l'heure. Donc là, je l'ai gardé. On a mis une cravate, là. Vous voyez un peu la texture, là, qui est différente et tout. Voilà, petit zoom sur la texture et tout. Incroyable. Et on a une chemise blanche et tout. Et on a le même pantalon de tout à l'heure. Voilà. On n'a pas besoin d'acheter tellement de vêtements pour être beau. Et on a des mocassins. Voilà. Réutilisez vos habits. Et c'est comme ça que vous êtes au plus joli sans vous ruiner. Exactement. Donc, franchement, là, on valide.
Alors après, on voulait tester avec le blazer de la deuxième tenue. Exactement. Va le chercher, on va tester ça direct. Voilà, du coup, avec le blazer. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime bien, mais dis-moi l'avis d'expert. En vrai, je trouve cet outfit incroyable. Mais ça, c'est tout aussi formel, mais juste un peu moins. Voilà, donc peut-être dîner entre collègues ou ce genre de trucs. Ou un vendredi, relax, tranquille, voilà. Et je trouve que cet outfit passe bien. Ouais, super. Moi, je suis d'accord. On le valide. Franchement, dites-moi en commentaire quel outfit vous avez préféré entre le 1, 2, 3, 4. Les relooking, je parle. Vous pouvez me dire aussi lesquels vous avez préféré entre 1, 2, 3 de mes outfits. Et on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et voilà, on veut vraiment avoir vos avis. Soyez honnêtes, voilà, soyez honnêtes, on veut vraiment savoir. Et voilà. Et avant que ça se finisse, je voulais vraiment remercier Stéphane. Il s'appelle Monsieur Guito sur TikTok et Insta. Ouais. C'était deux réseaux principaux. Allez le bombarder d'abonnés. Et merci à lui si ça vous a plu. Qui sait, une petite partie 2. Ben ouais, peut-être. Comme mon porte-monnaie s'en sera remis.